L'histoire, elle a commencé en Autriche. C'est là qu'on a récupéré notre nouveau véhicule, Oscar. D'Autriche, on l'a rapatrié doucement vers la Belgique pour s'occuper de tout l'administratif. Les plaques, l'assurance et surtout le contrôle technique. Breaking news! Alors Oscar a eu son contrôle technique du premier coup. Le véhicule satisfait au règlement technique, il n'y a aucune contre-indication, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Oh là là, j'ai trop bon! Ensuite, on pouvait enfin s'attaquer à la phase la plus simple, tout démonter. Une opération extrêmement satisfaisante, mais on savait qu'en enlevant toutes ces vis, on allait devoir tout reprendre de zéro. La deuxième partie du chantier, elle, allait se dérouler en France. Avant de commencer tout aménagement, on devait absolument s'occuper de la réhausse de toit. Car notre objectif avec Oscar, c'est de pouvoir dormir juste au-dessus de la cabine de pilotage dans la longueur du véhicule. Et malheureusement, avec la réhausse actuelle, c'est complètement impossible. Quoi de plus criminel que d'aller à la friterie en France, hein? On se le dise. Alors? Ils étaient super sympas. Yeah, yeah, yeah. On vient de trouver un petit distributeur de fruits juste à côté d'une ferme. Avec Oscar, les autoroutes, c'est pas vraiment conseillé. Du coup, on a profité des paysages en prenant des petites routes. On a sillonné les petits villages du nord de la France en allant à notre rythme, à notre aise, pour enfin arriver à destination tard dans la nuit. Bon, il est 7h du mat et si tu l'as pas encore deviné, on est chez Justin Van Collen et Bi. Ils viennent de presque de terminer la préparation de leur camion d'expédition 4x4. C'est un Renault en camion pompier. Il est assez incroyable et encore plus impressionnant en vrai. Bon alors, si on est ici, c'est pas anodin. Comme je te l'ai déjà dit, Oscar, on veut lui mettre une réhausse de toit un peu plus grande pour pouvoir dormir dans la longueur du véhicule et avoir un peu plus d'espace pour pouvoir se tenir complètement debout, ce que je ne pourrais pas faire si on laisse la réhausse comme ça avec l'isolation. Une réhausse, ça ressemble à ça. Et comme tu peux le voir, ça rajoute pas mal d'espace pour pouvoir rajouter un lit dans le toit et gagner beaucoup de place en dessous. Le seul problème, c'est qu'une réhausse d'origine n'est vraiment pas évidente à trouver et il faut de toute façon la modifier pour l'adapter parfaitement à notre véhicule. Et ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai décidé de poster une story Instagram afin de demander votre avis. J'ai eu pas mal de réponses très positives et de très bons conseils. D'ailleurs, merci à tous. Et j'ai eu Justin qui m'a appelé et qui m'a dit « Greg, j'ai la solution pour toi. J'ai travaillé avec eux pour faire mon camion d'expédition et franchement, c'est incroyable. » Il est 7h du mat, on a rendez-vous à 8h30 chez Van Barbeau pour voir ce qu'il est possible de faire, pour voir comment on va s'y prendre. Et je croise les doigts pour qu'on trouve une solution. Van Barbeau, c'est une société basée en Normandie qui est spécialisée dans la création des véhicules en tout genre pour transporter des chevaux. Leur gros point fort, c'est qu'ils savent littéralement tout faire, de la carrosserie à la peinture, de la soudure au polyester. Bon, ben c'est bon, on s'est mis d'accord là-dessus. Oui. Plus 35, on est d'accord en plus 35. Je me rajoute une dernière fois, mais j'ai 1,86. Ouais, non, c'est vrai. Je me suis refait les calculs toute la nuit. Le challenge de créer cette réhausse, c'est qu'il est très difficile de trouver des mesures officielles d'une réhausse d'origine afin de pouvoir en faire une copie exacte. On a pris des mesures, fait quelques calculs, et une fois qu'on pensait avoir la réponse, on a pu rentrer Oscar dans notre pot afin de commencer les choses sérieuses. C'est à partir de ce moment-là que le savoir-faire de chez Van Barbeau a pris le dessus. En quelques minutes, ils ont trouvé la solution pour savoir comment faire, et très vite, les plans ont été dessinés. Nous voulions 35 cm supplémentaires à l'avant et 12 cm supplémentaires à l'arrière. Résume-moi en quelques lignes ce qui vient de se passer les dernières 24 heures. Bah écoute Greg, là c'est magnifique. Il y a un chantier à prendre un peu à la dernière minute quand même. Et au moins ici, je sais que c'est possible, tout est réalisable chez Van Barbeau. Donc allez hop, en une journée on va découper le toit et puis en deux jours l'agrandissement va être fait. Alors ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on est arrivé ce matin à 9h et qu'aujourd'hui il est 15h et Oscar va se faire découper son toit.
J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, un van décapotable. Je pense que ça va être pas mal. Pour voir les étoiles. C'est parfait. Bon, alors cet après-midi, le chantier a vraiment pas mal avancé. Il y a déjà pas mal d'étapes qui ont été faites et c'était super intéressant de pouvoir regarder comment ils faisaient, de pouvoir vraiment suivre étape par étape et à quel point, en fait, dans ce genre de projet, il faut vraiment y aller, il faut réfléchir, mais il faut prendre les bonnes décisions. C'est juste fantastique à voir, c'est ultra satisfaisant à regarder. J'ai hâte d'être demain parce que ça va vraiment beaucoup avancer, je pense. Mais avant d'être demain, on a un tout petit truc à faire parce que je sais pas si tu vois derrière moi, mais c'est le camion d'expédition de Justin et Bi. Ils vont faire une traversée de l'Afrique avec ce camion Renault qu'ils ont aménagé eux-mêmes. Ils ont fait toute une série de vidéos sur l'aménagement de leur camion. Ils ont partagé plein de conseils et vraiment, si tu cherches des vidéos techniques pour vraiment apprendre comment aménager un véhicule, avoir plein de conseils, etc., tu peux aller regarder la chaîne YouTube de Justin. Tu peux aussi suivre Bi et Justin sur Instagram. Ils partagent plein de contenus inspirants. Présentez-moi très rapidement votre merveilleux camion d'expédition juste derrière. Alors avec NordVPN, vous... avec NordVPN, tu peux télécharger des films du monde entier. Tu peux aller sur YouPorn en Iran, ce qui est très difficile. Tu peux même acheter du Bitcoin en Chine, alors que des fois ils te prennent une taxe de fou. Tout est possible avec NordVPN. Achète l'abonnement pour une année à 49€, je crois. Et en 3€, 17 le mois. 17 le mois. Et après, bah, t'as même 2 mois offerts, je crois, avec le code GREGSWAY. Il est malin ce Greg, hein. Parce que moi, j'avais même pas 10 jours à vous offrir, donc c'est quand même mieux d'être abonné à GREGSWAY. Sinon, ça, c'est un camion 4x4 d'expédition de PTAC 11 tonnes. De 1989, 99, non. Et c'est un ancien CCF, donc camion feu de citerne forestier. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle avec des roues qui permet de tout défoncer sur le jeu. Bah à part ça, il consomme que 2,3 litres. Ah putain, t'es pas tué. Et c'est 2 litres, c'est 2 litres de friture de billes, donc... 2 litres de friture de billes. Oui. Après un pas de taille, on roule 100. Pas de taille, tu que... Après un pas de taille, tu que nos couilles. Bouge pas, ça va aller. Bon, l'intérieur, on va aller voir l'intérieur. Vous l'avez pas encore fini. C'est pour ça que Bi est si sale, c'est que. Il y a du boulot. Justin, Bi, présente-moi très rapidement l'intérieur de votre véhicule d'expédition qui est en cours d'aménagement. Non, mais où dans le camion? Alors, maintenant, ici c'est le bureau, mais on peut faire le lit aussi. On peut transformer ça en lit. Et puis ici, tout ce qu'il faut pour ranger l'équipement. Là, c'est le meuble de batterie. Vas-y, Bi. C'est ma cuisine, ça.
c'est pour la cuisine thaï, pour faire les pad thaï, comme tu sens, il l'a dit. Et ouais, et ici, on va mettre oui, la filtration, ouais. Ouais, c'est de l'eau, et ça, c'est le micro. Et ça, c'est le lit de Justin. Ouais. Non, mais donc, vous allez dormir à deux au-dessus, il y aura une personne qui pourra dormir en dessous. Si tu veux venir, Greg. Ouais. Voilà, et puis il y aura deux personnes qui pourront dormir ici. Ou une. Et là, je vous présente la plus grande salle de bain de toute la Terre. Oui, ça c'est la salle de bain, et c'est séparé, la douche et toilette. Là, t'as la toilette à droite, t'as ta machine à laver. Alors, machine à laver, c'est là-bas. La toute petite, donc. Oui, ouais. Et la douche et toilette. Et du coup, avec ce camion, vous comptez partir où? Oh, on est en vidéo. on va commencer au Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud. Voilà. Ouais. Et après? Et après, ce serait cool de faire un Paris-New York en camion éventuellement, donc on essaye de blinder pour le froid surtout. Magnifique! Magnifique, ouais, il y a du projet à suivre. Abonnez-vous! Sur la chaîne Justin Van Kren. Et... Attends, et Wonder Beyond. Tita Pati, Tata. Tita Papa Papa. Voilà. Vous pouvez gagner avec NordVPN 6 mois gratuits en répondant à cette question. Justin et Bi ont un enfant. Comment s'appelle-t-il? Justin Bieber. Bon allez, sans rigoler, NordVPN c'est quand même un partenaire qui supporte l'aventure Henri Debus et maintenant celle de Capitaine Oscar depuis maintenant plus d'un an, et c'est notamment grâce à eux qu'on arrive à faire vivre cette aventure et à continuer à se concentrer à 100% sur notre contenu. Pour t'expliquer brièvement, NordVPN c'est une application que tu peux installer sur ton téléphone ou sur ton ordinateur afin de pouvoir sécuriser ton accès à internet. En gros, ça chiffre les données que tu envoies à ton serveur et ça te permet de complètement protéger tes données bancaires, tes données d'identité. Bref, il y a plein d'avantages, Justin l'a dit. En plus de ça, NordVPN c'est vraiment pas cher, c'est 3,11€ par mois pour une offre de 3 ans plus un mois gratuit avec le code promo GregSway. Tous les liens sont en description, n'hésite pas à y faire un tour si tu as envie de sécuriser ton accès à internet et si tu as envie de profiter de cette offre. Sur ce, de retour à la vidéo. Deuxième journée chez Van Barbeau, on va assister normalement à la découpe du toit et je sais pas ce qu'ils vont faire le reste de la journée, mais ils avancent tellement vite que c'est ultra chouette de venir ici. De 1 parce qu'on apprend plein de choses et de 2 parce que c'est super satisfaisant de voir vraiment les travaux avancer super vite et de voir vraiment des personnes ultra qualifiées travailler sur Oscar. Malheureusement pour nous, on est arrivé quelques minutes en retard et on a raté la dépose de la partie avant du toit. Dommage, car on aurait aimé voir ça. On est pris au dépourvu, ils ont découpé le toit cette nuit. Mais ça, c'est Monsieur Barbeau, hein. Toujours au taquet. Non, il est propre. Hein. Yeah. Il y a eu de l'argent d'injecter dedans du propriétaire d'avant. Ouais, ça c'est bien. C'est son bébé à mon avis. Hein. Ouais. Une fois les supports de toit découpés, on pouvait enfin les remonter avec une rehausse en acier afin d'obtenir la hauteur de toit voulue. Pendant ce temps, le toit se faisait en partie découpé et remodelé pour ensuite pouvoir passer à la prochaine étape. Bon, la prochaine étape, c'est pour la semaine prochaine parce qu'on va devoir prendre la direction de Bordeaux pour aller récupérer un autre van. Je t'en dis pas plus, mais si tu veux avoir tout en avant-première, tu peux nous suivre sur le compte de Séverine et sur mon compte Instagram afin vraiment d'avoir des photos, des stories quotidiennes sur l'avancement du projet du toit d'Oscar et tout le reste. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et sur ce, je te dis à plus tard avec Oscar, à la semaine prochaine. Ciao. Merde dans le désert. On passe pas avec Oscar, non. Il y a une merde. Il y a une merde dans le désert.